Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la partie 16. 16. C'est la partie 16 de Hotel Dusk et pas Croix V-Bâton, bien évidemment. Et donc, on a résolu donc cette histoire avec la vieille dame Hélène Parker. Donc, rappelez-vous qu'il y avait comme fils. Oh! Coïncidence, Alan Parker qui coïncide avec l'écrivain, enfin le faux écrivain bien évidemment, Martin Sommer, qui avait volé donc l'histoire de Alan qui est le fils de Hélène, et dont il ne sait rien pour l'instant. Il ne sait pas que dans la chambre à côté vit la mère de son pote qui l'a trahi, et ça c'est beau, et ça c'est beau. Mais pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller boire un coup, très important de boire un coup, toujours, hein, toujours important. Et du coup, on va aller prendre un petit verre avec Louis. Je pense un petit bouton. Et bien évidemment, il y a quelqu'un qui va nous embêter. C'est obligé. Mais qui? Qui va venir nous emmerder? Et avec qui on va s'interroger dans le chapitre? Parce que vous avez remarqué qu'il y a toujours une grosse interrogation à chaque chapitre, hormis le chapitre 1 qui est un chapitre d'introduction en gros. Mais voilà. Donc, on va boire encore un petit verre avec Louis. Un whisky. Allez, on va le dire, je te laisse choisir. À qui on veut pas parler justement. Ce qu'il dit est pas totalement faux, c'est vrai. On va le dire peut-être bien. Qu'est-ce qu'on a bien pu lui raconter? Du coup, donc on va peut-être apprendre un petit peu le passé des deux personnages, enfin surtout leur rencontre, ce qui peut être intéressant aussi. Parce que pour l'instant, c'est les deux personnages, c'est les seuls personnages qui sont vraiment auxquels vraiment Kyle a vraiment eu un passé. Donc c'est le seul personnage, et donc c'est aussi le seul personnage qui en parle.
Je suis sûr que tu rêvais de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez demandé quelle histoire à la noix. C'est dingue qu'on s'en souvient pas. Donc on lui a parlé de son père. Ah donc du coup on va peut-être en savoir plus sur Hyde. Ça peut être pas mal. Parce que c'est vrai que sur Hyde, on sait juste pour l'instant quelques petites choses sur lui. Mais on n'en sait pas en profondeur. Et forcément le jeu aussi va s'interroger sur le personnage principal. Du coup, on peut en apprendre plus sur ce personnage, justement. Il a pensé que j'ai menti. Et je pense pas qu'il a menti justement. Bon, on va dire que c'est la stricte vérité. C'est pas du tout son truc, mais je pense que c'est la vérité. Et donc du coup, le père de... Mais il bossait pas en tant que flic? Oh, je comprends pas, de toute façon, bon, pire des cas, je pense pas que ça change quelque chose. Le bowling? Bah ouais, bon, à dire le bowling. Je pense que les deux sont pas bonnes. Ah si, c'était le bowling. Qui c'est qui vient? Ah, oh non, pas lui. Ah mais du coup on va pouvoir lui dire, salut, j'ai hâte de voir son sourire. Un gin tonic, oh, ah. Alors je sais pas si vous avez déjà goûté le gin tonic. Alors qu'est-ce qu'un gin tonic? C'est un gin auquel on met du Schweppes et un citron. Alors si jamais vous n'avez jamais goûté le gin pur, c'est de la merde. C'est de la merde en boîte, c'est vraiment dégueulasse. Et quand vous... Et si vous n'avez jamais goûté du Schweppes pur, donc le Schweppes normal, donc le truc tout amer, c'est aussi dégueulasse. C'est absolument pas rafraîchissant. Et en mélangeant deux trucs dégueulasses, moi ça donne un truc super bon. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'on mélange le gin et le Schweppes, donc deux trucs dégueulasses, hein, purs hein, bien évidemment. Et c'est bizarre, c'est super bon. J'en avais déjà goûté quelques fois. Et franchement, j'ai été surpris par le goût. Je pourrais pas vous le décrire, mais c'est... Mais c'était pas mal, je vous... Je suis quelqu'un du genre quand même à goûter un petit peu à tous les alcools pour voir les goûts qu'ils ont. Bon, je suis pas un expert, j'ai goûté à quoi? J'ai goûté à du... Putain, si on parle d'alcool, c'est un truc de dingue, mais bon, on est dans un bar, donc forcément... Je suis pas un expert, mais bon, j'ai goûté à peu près, j'ai fait... Bon, whisky, bon, j'ai fait tous les trucs... Normaux, donc whisky, vodka, tequila, donc c'est les trucs habituels. Après bon, je me suis mis à d'autres alcools, un alcool plus spirituel,
Je pense que vous le connaissez, c'est... Comment il s'appelle encore? L'absinthe, bien évidemment. Mais c'était pas vraiment de la vraie, donc ça, c'était pas super. J'ai jamais vraiment goûté de la vraie absinthe, donc c'est un alcool fait de plantes vertes et d'anis, donc qu'on surnommait la fée verte, et qui avait été interdit en France il y a pas mal d'années parce qu'il justement il donnait des hallucinations. Enfin, on pensait qu'il donnait des hallucinations. Elle a été surnommée la fée verte. Et c'était un alcool. Ben c'est en fait, on le buvait. C'était quoi la façon? En fait, on posait un verre, une cuillère et un morceau de sucre, et en fait, on brûlait le sucre pour le laisser couler dans le verre, et on buvait ça cul sec, quoi. Donc ça, c'était la tradition de boire un verre d'absinthe. L'absinthe que j'avais bu était pas mauvaise, mais voilà. Il faudrait une fois que je goûte de la vraie absinthe. Donc, on va lire. On va parler d'Alan. Certains vont le dire. Donc c'est Hélène, la vieille dame. C'est à ça que ça ressemble. Bon, du coup, de quoi il voulait-il me parler? Est-ce qu'il l'a fait aussi en expression? Ouh! On apprend peut-être plus pour elle. Cécile Lily. Ah, c'est vrai. Est-ce que ce serait une actrice de... Non, je pense pas. Ouh, du coup, on va peut-être en apprendre un petit peu plus sur elle. C'est vrai que il y a deux personnages encore qui nous ont été dévoilés, mais auxquels on n'a absolument aucune information. C'est le père de Mélissa, donc le Kevin. On l'a vu au deuxième chapitre et on l'a plus revu depuis très longtemps. Et justement, elle aussi. C'est encore les deux personnages dont on ne sait pas grand-chose encore. Justement. Bon, du coup, on va voir si on peut discuter avec Louis pour voir s'il peut peut-être nous dire quelque chose d'assez important ou... Non, on n'a aucune question. Ah, du coup, est-ce qu'on peut peut-être montrer le magazine? Tiens, attends, ça, j'ai pas tenté.
je pense qu'il y a rien à faire de plus. Et donc du coup oui c'est elle. Et du coup on sait toujours pas aussi qui nous a demandé les... Ah bah tiens elle est pas au dodo elle. Ah elle a peut-être... Ah attendez, on a peut-être quelque chose avec son père il me semble. Ah vous remarquez qu'elle nous... des tonnes. Je peux pas m'en empêcher, elle est trop mignonne. Oh la pauvre. On va lui dire pourquoi est-il méchant. Quelle tristesse. Et du coup on a lancé, il est 10h20. Incroyable. Je pense que le chapitre va être un petit peu plus long que... Alors là je sais pas du tout comment ça va se dérouler, parce qu'il y a deux personnages, je vous ai dit, donc Iris et Kevin. Je préfère un beau couple, tiens. Ah, du coup. Ah, bah tiens, Rosa. Qu'est-ce qu'elle nous. Elle fait encore le ménage. Voilà, elle arrête pas, c'est pas possible. Dire qu'elle cherche son père, on va pas lui dire que sa mère l'a abandonné, parce que ça se fait pas vraiment. Ah bah elle le sait. Elle est perspicace. Hein. Forcément, elle est mère, donc. Donc, du coup, est-ce qu'elle comprend les nôtres ? C'était marrant. Ah donc du coup peut-être on va prendre dans le tel. Ah. Ah on va chercher le sapin de Noël. On va dire qu'on n'a pas eu cette année. Ok, donc on a appris quelque chose.
Je suis pas sûr qu'on puisse y aller. Attends, elle est dans la chambre 217, hein, il me semble. Non, c'est 219. On va toquer. Et du coup, on va lui parler un peu. Du coup, on va devoir rechercher le papa. À mon avis, il est sur le toit. Je sais pas pourquoi. Une intuition. Ah, c'est une possibilité. Non, il n'est pas ici. Ok. Ah, cette musique. Ah, je sais peut-être où il est, mais ça m'étonnerait que ce soit là. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il est dans le hall. Peut-être qu'il faut aller au dépôt chercher un sapin de Noël, mais ça m'étonnerait. Je me souvenais pas avoir fait ça. Il est pas là. Où peut-il être? On peut peut-être aller justement au dépôt. Mais il y a. On va lui parler justement. Est-ce qu'on peut. Bon, du coup, on va aller au dépôt chercher un sapin de Noël. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, hein. Je vois pas. On va passer par la cuisine parce que je suis pas sûr qu'on ait le droit de passer par l'aile. C'est possible, même si j'en suis pas si sûr. Parce que je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Donc, à la recherche du sapin, donc le dépôt. Qui ne se trouve pas là. On va passer ici. Je pense pas que c'est une incidence. Donc le dépôt. Il me semble que le dépôt se trouve ici. Mais je pense pas qu'on puisse y aller. Ah si, d'accord. C'est ici. Du coup, on va y aller. C'est ici que tout est rangé. Donc, du coup, je pense qu'il va falloir ramener une étoile ou ce genre de choses. Ça va être génial. Donc, oui, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Oula, il va falloir regarder dans tous les cartons. Ah là là. Oh là là, on va faire un puzzle. C'est magique, hein. Et voilà, on a récupéré le sapin. Magique. C'est beau. Ah, mais elle est rentrée. Ah, super. Alors. Du coup. Est-ce qu'on peut le décorer comme on veut? Ah, c'est magique. Ça c'est ce qu'on aime. Ça, c'est des choses vraiment qui me font plaisir. Non, on va prendre le. Le truc, donc tout ce qui est vert va sur le vert. Enfin, c'est ce que j'en déduis. Allez hop, ça on le met là. Allez, on descend. Ah, c'est chiant par contre. Ah, on se fait chier. Ah, on se fait chier. Ah, ça va être la galère. Ah, ça va être la galère. Ah, c'est moi qui vous le dis. Du coup, non, je veux prendre le vert. Je veux prendre le vert.
Donc à défaut Hotel Dusk, c'est aussi ce genre de choses. Décorer des sapins. Ma foi. Pourquoi pas? Mais il manque l'étoile. Ah d'accord, il suffit juste de maintenir en fait. Ah oui, on peut le mettre. On peut mettre à plusieurs endroits en fait. Pas nécessairement. Ah si, il y a encore le ruban. Mais je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas vraiment d'endroit particulier. Enfin, j'espère pas. Ils ont pas. Je pense pas qu'ils nous ont fait ce genre de choses. Et bien sûr, l'étoile qui se trouve toujours en haut du sapin. Voilà. Ah, c'est splendide. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Ah, bah c'est la jeune fille. Bah, du coup, il y a tout le monde qui se ramène là, c'est la fête du slip. Voilà, on va pouvoir fêter Noël dignement. Du coup, peut-être qu'on va pouvoir parler avec à peu près tout le monde. Avec une jolie donzaille, s'il te plaît, hein? Parce qu'il y a quand même une petite fille de 10 ans, hein? Attention. Oh, elle s'endormit. Est-ce qu'on peut parler avec elle, moi je pense. Alors je me souviens plus du tout si elle parle à un moment donné. Mais en tout cas, Kyle est le seul mec qui a pensé à ça. Donc du coup elle a l'air vraiment muette. Et donc du coup qu'est-ce qu'elle a écrit? Toute seule. Où est papa? Ah donc elle sait pas où est son père. Il me semble que je crois savoir qui est le père. Je vais pas vous le dire, mais il me semble qu'on l'apprend. Il me semble qu'on l'apprend, mais je me trompe peut-être, donc je vais rien dire.
Mais il me semble avoir un vague souvenir de savoir qui c'est. Mais vraiment, je peux peut-être me tromper. Et je pense que je me trompe. Ça serait mieux comme ça me surprendrait. Et donc, qu'est-ce qu'elle a écrit? Santa Monica Graulemeir. Donc la galerie mail de Santa Monica. C'est pas là où le... où le tableau a été volé. Ah bah tiens, maintenant y a elle. Attendez, j'avais pas vraiment envie de ranger. Hein. Donc du coup, on a décoré le sapin, c'est beau. On va pouvoir remonter, peut-être qu'on va voir le père, justement. Peut-être pas. La porte est ouverte. Ah là là là. C'est... l'envie. Ah, je commence à stresser. C'est le genre de choses auxquelles on peut avoir un game over assez rapidement. Je me souviens pas du tout qu'on entrait dans sa chambre. Du coup, si on se fait choper, ça va être la merde. Oh, on se fait pécho. On est la merde. Ça peut bien être. Eh oui. Donc du coup, on est à combien de temps? On est à 33 minutes. On va s'arrêter là. Donc voilà, on aura fait pas mal de choses. Finalement, je pense qu'on a bien avancé dans ce chapitre. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Donc c'était le chapitre 16, il me semble. Hein. 16 ou 15. Un chapitre partie. Il faut que j'arrête. Mais je suis tellement dans le jeu que maintenant, je confonds chapitre et partie. Donc sur ce, moi, je vous dis à très bientôt. Et comme d'habitude, portez-vous bien.